Il fait froid. Je voulais aérer ma chambre toute la journée et en fait, il faisait salement froid dehors et du coup, j'étais en petit t-shirt et j'étais genre, ah, apparemment, il me faut une veste. Donc, voilà, j'ai décidé de lâcher mes cheveux et de mettre une capuche. Comme ça me tient la tête et bien au chaud. Bref, j'ai pas continué la planche de stickers Pokémon parce que je suis en train de faire tellement de trucs en ce moment que là j'avais besoin d'un truc vraiment pour moi, rien que pour ma tronche. Et je me suis dit, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait un live quand même. Alors au début, je me suis dit, et si je faisais un live tradit des dédicaces que je fais? Parce que du coup, ça y est, je suis dans la moitié fin du Ulule là. Pour le volume 3 du coup de Prisonnier du rêve, j'ai pu commencer à faire quelques envois. Sauf que, ben, du coup, il y a un palier avec une liste juste ici avec le nom de tous les participants. Et genre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bref, environ une trentaine de personnes, du coup, ont droit à des dédicaces au feutre à alcool. Des dédicaces telles que... Oups. Telles que ceci. Donc, de petits chibis au feutre à alcool. Et bah faut dire que ça me prend du temps, du coup. Je n'avais pas anticipé qu'il y aurait autant de personnes qui enchériraient sur ce palier. Et le problème, en fait, c'est que bah, ils me répondent pas sur le questionnaire que j'ai envoyé. Du coup, je peux avancer genre un, deux, une fois par jour à peu près. Je suis obligée de relancer. Ça fait déjà 2 ou 3 fois que je relance là. Et du coup, je m'étais dit, bon, bah, je vais en profiter puisque ça me bouffe mon temps en ce moment pour faire un petit live dessus. Sauf qu'en fait, à chaque fois que je fais mon live, bah, c'est toujours au moment où c'est pas les heures de live en fait. Genre, c'est le matin ou alors en début d'après-midi et après j'ai fini et après j'ai plus rien à faire. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Parce que je me suis dit, ouais, je pourrais continuer la planche de stickers, mais pff, la flemme, j'avais grave la flemme. Donc, du coup, ouais, je me suis dit, bon, allez, je vais faire mon petit dessin Digimon. Parce que, du coup, bah ouais, comme je disais, donc avec les envois Ulule, bah tout ce que je fais en ce moment niveau dessin, c'est des dédicaces. Et c'est tout. Alors, on pourrait se dire, ouais, mais c'est des personnages, c'est quand même cool et tout. Je fais, ouais, mais c'est pas la même chose. Donc, du coup, je me suis dit, putain, vas-y, je dessinerais bien un petit truc confort pour moi-même, pour ma tronche à moi. Et du coup, je me suis dit, putain, vas-y, j'ai cette vieille planche de dessin Digimon, parce que du coup, à la base, j'avais ces deux-là. Et si c'est ce calque-là, il y avait aussi celui-ci et celui-ci que j'avais commencé en 2017. Donc, c'est vous dire à quel point ça date. Et que je n'avais jamais continué. Du coup, j'avais juste le croquis, je m'étais dit que je le ferais un jour et j'y ai jamais pensé. Et là, du coup, j'étais sur Twitter et je voyais une personne qui disait, ouais, franchement, n'hésitez pas à rejoindre des Discords comment ça s'appelle? Des Discords de fandom si jamais vous voulez promouvoir vos dessins, avoir des commandes et tout. Et je me suis dit, ah oh, bah allez, pourquoi pas tenter, quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon bah allez, je vais rejoindre un fandom Digimon. Parce que du coup, ouais, non. Non, non, mauvais, mauvais. Mauvais brush, voilà ça que je cherchais comme mot. Donc ouais, donc du coup je me suis dit bon bah vas-y rejoindre un serveur Digimon en me disant bah comme ça vu que il y a aussi des furies, ça me permettra de m'améliorer un petit peu là-dedans parce que je propose également des commissions furies, sauf que bah pour l'instant j'ai que un seul type d'exemple, donc je me suis dit bah il faut que j'en fasse plus. Bon alors là le problème c'est que du coup c'est pas vraiment du furie. Puisque c'est ben comment dire bah peut-être à la limite Vimon parce qu'il a des mains avec des doigts et tout peut-être peut-être mais en tout cas pour ce qui est de Wormon non clairement c'est pas du Furry ça. Donc bref tout ça pour dire que du coup je me dis bon bah tiens ça va me faire un test ça va me faire un petit essai et puis en plus ça va me faire du ship ce qui ne gâche rien
Donc voilà, parce que du coup, je me rends compte que bah, j'avais déjà fait des croquis de Daisuke et Ken, ou Davis, du coup, moi je l'appelle Davis puisque je le regardais en français. Et oui, mon bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Bon alors, tu fais quoi là? Tu montes, tu montes pas, tu fais juste des câlins, qu'est-ce que tu veux? Je suis un chat, je suis indécis, miaou. Ah bah non, il monte. Et donc du coup, je me suis dit, ouais, bah vas-y, je ferais bien un dessin de Ken et Davis, qui est genre mon ultimate ship de Digimon. Et que du coup, j'avais jamais fait de vrai, vrai, véritable dessin de ces deux-là. Putain, c'est toujours croquis ou alors éventuellement du noir et blanc. Mais je suis pas sûre d'avoir fait un vrai dessin en couleur. Donc voilà, du coup je me lance, ça y est. Et ça faisait tellement de bien, après avoir cravaché pendant plusieurs mois à finir mes planches dans les temps pour pouvoir imprimer le bouquin, pour pouvoir le vendre à la Japan Expo, si j'allais dire, à la Play Azur. Et puis après, bah, du coup, voilà les contreparties Ulule, tout ça. Donc voilà, là je me suis dit, hey, je vais prendre soin de moi et faire des trucs que j'ai envie de faire, ok? Et donc voilà, comment j'en suis arrivée là. Alors du coup, là je me dis, je vais faire un petit peu des stickers, ça va être sympa. Du coup, faut juste que je trouve une façon de faire un brush qui fasse un comment dire, une espèce de cercle autour d'eux. Peut-être que du coup, je devrais monter un peu leurs genoux. Parce que je me dis que sinon ça risque d'être compliqué. Ouais. Est-ce que ce brush est pas un peu gros? Peut-être. Taille de la particule. Voilà, on va baisser légèrement la taille. Voilà. Je voudrais juste faire un petit cercle mignon, quoi. Mais du coup, ouais, je pense que je vais monter un peu les éléments parce que. Parce que si je veux faire un sticker, je peux pas faire un sticker qui est, comment dire, coupé net en bas, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, du coup je me dis, tant qu'à faire, il y a l'icône qui se profile, comme ça au moins je fais des trucs un peu LGBTQ, tout ça, tout ça. Et en plus, je me fais plaisir, ce qui ne gâche absolument rien. Donc voilà. Parce que franchement, ça me fait tellement plaisir de faire ces deux-là. Ils sont tellement pipous. Et du coup, ouais, donc je sais pas si je l'ai dit ou non, parce que des fois, en fait, je parle et après, je m'interromps, je fais autre chose, je perds ma concentration, parce que du coup, j'arrive jamais, quand je suis en live, à me concentrer sur deux choses à la fois. Déjà, réussir à parler et dessiner en même temps, je trouve ça extraordinaire. Et donc voilà, donc du coup, j'ai rejoint un serveur Discord, donc international, tout ça. Et il n'y a pas moyen de pas raccourcir, de diminuer l'écart entre les deux trucs, non? Non, c'est. Ah, si, si, on peut. Si je fais comme ça. Oh mon dieu, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est beaucoup trop, oh my gosh. Ah, c'est affreux. Non, c'est encore trop, ça aussi. Allô? Bon, on va essayer comme ça, qu'est-ce que ça donne? Putain, c'est pas vrai. Y a vraiment pas. Non, on peut pas faire mieux. Si je fais comme ça fait quoi? Si je fais que peut-être. On fait des tests, hein. On fait des tests, on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout. Hein. Si je fais comme ça, par exemple, est-ce que c'est mieux ou pas? Non. Bon, attendez, je vais remettre les paramètres par défaut et je vais bidouiller les écarts pour voir ce que ça donne. Et oui. Si je fais comme ça. C'est nul. C'est totalement nul. Si je mets au minimum syndical, ça fait quoi? Non, toujours pas. Bon, alors attendez, on retourne aux paramètres par défaut. Voilà, tranquille. On va juste descendre. Non, c'est trop bas, putain. Non, c'est trop. Je voudrais au moins 600 de taille de particules. Je veux pas un truc trop. Trop petit, mais pas trop gros non plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, donc du coup, j'ai rejoint ce serveur Discord international. Du coup, j'étais trop contente. Je me dis, ah, chouette, un serveur Digimon, je vais pouvoir parler avec d'autres personnes qui kiffent Digimon, c'est génial.
Du coup, j'arrive, je vois que le truc, il a déjà plus de 8000 membres. Je fais, ah ouais, quand même. Mais je me dis, bon, bah, let's go, on va bien tenter ce que ça donne, quoi. Du coup, bah, il y avait marqué, on peut jeter un coup d'œil avant de s'inscrire. Je fais, bon, bah, allez, je vais jeter un coup d'œil. Donc, du coup, je rentre dedans. Et je me dis, ah bah tiens, il y a une section fanart, super, je vais pouvoir partager mes fanarts dedans, ça va être trop cool. Donc du coup, je finis par m'inscrire en me disant, bon, bah il y a plein de channels différents, je vais pouvoir parler avec des gens et tout. Bon, ça avait l'air d'être particulièrement axé sur les jeux, les cartes, etc. Mais je me suis dit, bon, faut tenter quand même. Donc du coup, j'arrive dedans. Je commence à zioter un peu la section fanart, donc. Et là, je mets du coup ma planche telle qu'elle était en forme de croquis, là. Et il y a un gars qui débarque en mode « Ah, c'est super cool et tout, n'hésite pas, vas-y, à nous montrer ce que tu fais, machin. » Je dis « Bon, bah super, c'est encourageant. » Et donc du coup je me dis bon bah pour commencer je vais faire le chibi parce que comme ça c'est plus rapide, au moins je me chauffe un peu et au moins je pourrais montrer un petit truc, donc ça va être super. Donc du coup je fais ça et c'est encore trop gros, hein. Ouais, c'est encore trop gros. Donc du coup je montre le chibi. Zéro réaction. Du coup, j'étais genre, bah, c'est peut-être qu'on n'est pas dans le même fuseau horaire, les gens y répondront quand ils répondront, quoi. Et là, il y a un gars qui débarque, et en fait, il floude avec trois cartes fanart qu'il a trouvées sur Twitter. Genre, juste, il met les liens Twitter, du coup, il y a l'image du fanart qui s'affiche. Et du coup, bah, le mien, en fait, il est tout de suite caché par tous les autres fanart qu'il a postés, et je suis genre, mais. Mais. Et après, je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Parfois, même quand il y a eu plusieurs messages entre temps, les gens ils se rendent compte qu'il y a plusieurs messages qu'ils ont pas lus. Du coup, ils reviennent au dernier qu'ils ont vu et ils redescendent. Sauf que, bah, pas dans ce serveur, apparemment. Mon mignon petit chibi, là, il est passé totalement à la trappe. Et j'étais genre. Ah! Ok, du coup j'étais extrêmement déçue, parce que bah, moi à la base je voulais partager mes fanarts avec d'autres artistes en fait. Je pensais que dans la section fanart, bah, y avait d'autres gens qui postaient leurs propres fanarts et apparemment c'est pas le cas. Donc du coup ouais, j'étais pas très contente. Et du coup je me suis dit, bon bah, c'est pas du tout l'expérience que j'espérais. Donc là, je me suis dit, bah allez, let's go. Peut-être créer mon propre serveur Digimon, du coup. Comme ça, au moins, bah, je me dirais bien que c'est pour les artistes, par les artistes, etc. etc. Enfin, même, admettons que les gens soient pas des artistes, bah, au moins qu'on échange sur les séries Digimon et pas que sur les jeux auxquels je ne suis absolument pas familière. Moi, ce qui m'a fait connaître Digimon, c'est la série, en fait. Moi, je suis là surtout pour parler des personnages, dire, oh là là. J'aime tellement tel chip, ou alors, ah, oh, vous vous souvenez de cette scène avec de Venomiotismon, oh là là, oh, oh, la nostalgie. Je suis pas convaincue. Je crois que je vais remettre la taille de la particule en grand et baisser la taille du pinceau, voir ce que ça donne. Attention. Un chouille plus grand, ce serait bien. Parce que je veux quand même qu'on voit le dessin en dessous. Là, le but, c'est vraiment juste de faire un mignon petit cadre autour. Est-ce que je devrais pas agrandir encore la taille de la toile? Parce que sinon, ça va rogner sur le chibi, en fait. Et je pense que c'est ça qui m'empêche de bien faire les choses comme il faut. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc voilà, du coup, je me suis dit, allez, let's go. Je fais mon propre Discord. Bon, le seul truc, du coup, c'est que là, pour l'instant, j'ai créé les salons et tout. Mais j'attends d'avoir une image de profil pour le serveur avant de faire quoi que ce soit.
Du coup, j'en ai parlé avec une autre artiste que j'ai connue du coup à Japan Expo l'année dernière et qui faisait elle aussi du Digimon. Et d'ailleurs, en ce moment, elle est en train de faire une série de dessins Digimon. Donc, je me suis dit, eh, c'est la personne idéale à qui demander si elle est intéressée pour rejoindre le serveur. Bon, du coup, elle est espagnole, mais je me dis, bah, c'est pas grave, on peut parler en anglais, quoi. Donc voilà, du coup je lui ai dit, bah écoute, si jamais toi t'es intéressé ou même si tu connais des gens qui seraient éventuellement intéressés, n'hésite pas à me le dire. Comme ça au moins, non, on pourra enfin discuter entre gens. Et puis même, je me dis, sur un serveur Discord, ce sera peut-être plus simple de voir les dessins. Dans le sens où sur les réseaux sociaux, ben au final, on est tellement floudé par le reste qu'il y a plein de dessins qui passent à la trappe en fait. Donc voilà, je me dis, si je crée un serveur, au moins ben, je serai avec d'autres fans de Digimon et on pourra tous kia, en se disant, oh là là, c'est tellement bien, oh là là, regarde ton dessin, il est tellement chouette, oh, kia! Donc voilà. J'arrive pas à faire un truc satisfaisant, ça m'énerve. Bon, je pense de toute façon que je remplirai les bords là en dessous, mais je veux vraiment pas gâcher certaines parties du dessin. Non, c'est trop loin ça. Voilà, je crois que là on tient un truc pas trop mal. Attention. Ah non! Je me suis trop rapprochée du bord. Zut. Peut-être encore réduire un tout petit peu la particule, hein, peut-être. Je teste, de toute façon on est là pour faire des tests, c'est pas plus mal. Ça me fait marrer parce que je me dis, quand j'étais gamine, j'aurais été prête à n'importe quoi pour trouver des brushes comme ça qui me permettraient de cacher certaines parties que j'avais pas envie de montrer parce qu'elles étaient mal faites. Et genre là je suis en mode, non, il faut absolument que les gens voient cette magnifique main que j'ai dessinée, oh là là. Je suis pas convaincue. C'est pas grave, hein, je vais recommencer jusqu'à ce que j'y arrive. Parce que ben du coup voilà, au moins je me dis, ça fait un peu de process, puisque du coup vous n'avez pas pu voir le line et la pose des aplats. Parce qu'au final, les ombrages, ça va assez vite. Je m'en rends compte en fait grâce au timelapse. À chaque fois que je le regarde, je vois qu'est-ce qui me prend le plus de temps, et clairement, en général, c'est l'ancrage, quoi. Donc, bon. Ok, jusque-là, on est pas mal. Attention. Attention. Passage critique. Oh! Ben, voilà. C'est pas trop mal. Non! Il y a une petite pétale, là, qui m'a échappé. Non, franchement, en vrai, je pense que c'est bien, là. Peut-être juste une petite de plus là, là. Je pense qu'on est pas mal. Non, trop. Non plus. Oh, fais-moi un truc bien là, s'il te plaît. Non! Non plus. J'en veux juste une toute petite là sur le côté. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait symétrique. Que c'est à peu près à la même hauteur. Je sais pas. Est-ce que si je rajoute un peu du fond là, ça va me paraître mieux ou pas? Attention, suspense. Voilà. Ah merde. C'est quoi ce machin en vert dégueulasse là? Ah. Je sais pas. Je trouve que là, c'est plus bas. Est-ce que si j'utilise le truc transparent, ça va marcher? Merde, je suis pas sur le bon calque, quel con. Quelle andouille!
Alors, et ouais. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'imaginais, du coup. Mais c'est pas grave. Oupsi. Attention. Alors. Bah, le problème, voilà, c'est qu'il y a un gros trou là. Puis même là, c'est assez épuré alors que là, non. On fait des tests. On fait des tests et on voit ce qui fonctionne. Voilà. C'est un petit peu mieux. Un petit peu. Non, cette fleur est trop grosse. Et si je fais tout petit? Ouais. Ok, donc ça c'est pas trop mal. Tac, tac, tac. Du coup, je voulais mettre une petite phrase mignonne style Have a rest day ou take a nap. Un truc du style. Je pense que Have a rest day, c'est pas mal. Alors, la question est de quelle couleur je vais écrire ça? Est-ce que j'écris ça en rose? Voilà une question qui est bonne. En voilà une excellente question. Parce que du coup, je me rends compte que souvent, moi, je fais des stickers genre chibi parce que j'aime ça, parce que c'est rapide, parce que c'est pratique, parce que c'est mignon. Mais parfois, quand je regarde les stickers d'autres gens ou des stickers que j'achète, bah, c'est vrai que parfois c'est plutôt des trucs un peu plus élaborés. Et avec un petit message mignon, ça peut être sympa. Et du coup, vu que là, ils sont tous en train de faire la sieste à moitié, là, je me dis, Everest Day, ça peut être bien. Ça peut être pas mal. Du coup, est-ce que je mets une bordure de couleur foncée? Bon, on fait des tests, hein, on verra ce que ça donne. Hop, je vais mettre ça par exemple. Alors, c'était pas ce que je voulais faire, mais je trouve que ça rend sympa. Je trouve que ça rend fort sympa, donc je vais le laisser. Je vais carrément le laisser. J'ai juste effacé par contre les petits rougissements qu'ils ont sur les joues parce que ça fait bizarre. Mais sinon, pour les fleurs, ça fait sympa. J'aime bien. Voilà. Du coup, faut pas que je me plante. Bon, je ferai ça plus tard, c'est pas grave. Alors, maintenant, il faut que je trouve comment faire une jolie typo. Alors, un truc mini. Ah oui, si je suis sur la gomme, ça va pas le faire, c'est clair. Ça va clairement pas le faire. On teste hein, avec ma magnifique écriture. Mercredi. J'ai parfois un tel self-control par rapport au mot chartier. Ave reste. Non, attends. La petite houppette du R, sinon voilà. Reste des... Oh, regardez-moi ça, si c'est pas joli. Ah, mais c'est pas mal ça. Il n'y a plus qu'à le centrer et ce sera pas si moche, pas si moche du tout. Plus comme ça, regardez, hop là, c'est comme si je l'avais fait exprès pour mettre dans le petit espace manquant. Incroyable. Je pense quand même que je vais le descendre encore un peu. Chiotte! J'avais pas fait attention. Mais en fait, j'ai un bout de la toile qui manque là. Il faudra que j'agrandisse ça tout à l'heure. Mais ouais, du coup, je pense que je vais encore légèrement le descendre. Parce que du coup, quand je voudrais faire après, comment ça s'appelle, l'impression avec la silhouette et tout, s'il y a trop d'espace entre les deux, il va pas aimer. Voilà, je vais juste regarder ce que ça donne du coup quand j'enlève le fond. Moi, ouais, ça passe.
pense. Pierre, je ferai un petit truc blanc là comme ça, un petit liseré et tout là. Ok. Ouh. Bien, maintenant il n'y a plus qu'à rajouter un petit blushu. Un petit blushu. En tout cas, la seule chose que j'espère, c'est que si je crée effectivement ce serveur Discord pour les gens qui aiment Digimon comme moi, c'est qu'ils seront tolérants au niveau des ships. De toute façon, je l'ai mis tout de suite dans dans les règles de conduite. C'est d'être respectueux avec les autres membres. Et les autres membres, ça inclut moi, bien sûr. Alors, attention, hop. Voilà, pas mal. Et hop, hop, hop. Oh, qu'il est mignon. Qu'il est mignon, regardez-le. Oh. Bah voilà, ils sont très bien comme ça. Hey, salut Cookie Ruby. Comment vas-tu en cette belle journée du mois de mai? Alors, par quoi on commence du coup? Par les... Non, le décor. J'avais oublié qu'il y avait le décor aussi. Alors, c'est parti, let's go. Alors, on va utiliser cette couleur-là, voilà. Et on va utiliser ça. Bon, du coup, vu que j'ai pas... J'ai pas épinglé le calque avec ça, ça va être un peu à l'arrache, mais c'est pas grave, on va le faire quand même, ça va être sympa. Il faut un marqueur plus gros là. Ça va, mon PC sera normalement de retour ce 23. Ah bah enfin! C'est vrai que j'avais complètement zappé ton histoire avec le réparateur là. Oh là là. Bah écoute, let's go, hein. Vivement que tu puisses enfin utiliser ton PC. Parce que moi j'avoue que là, ouais, effectivement, si j'avais pas pu avoir mon PC avec tout ce que j'avais à faire dessus, ça aurait été un peu critique. Tous les jours ouvrir la page d'Ulule, tous les jours ouvrir la page du formulaire pour vérifier si les adresses mail correspondent. Parce que du coup, il y a une personne. Je sais pas c'est qui, mais je l'aime pas. Qui m'a mis du coup son adresse mail en me disant quel personnage il ou elle voulait. Sauf que son adresse, elle correspond à rien du tout. Genre, j'ai aucune purée d'adresse qui correspond à celle-là. Et je suis genre, je ne peux pas faire cette dédicace parce que je ne sais pas qui est cette personne. Et ça m'énerve. Donc du coup, il faudra que j'attende la fin d'Ulule, d'avoir coché toutes les cases pour me dire, bon bah voilà, il me reste plus qu'une personne, c'est forcément elle. Ah, je te jure. Alors, moi, mon comfort ship, c'est Donald X Flagada. Voilà, moi, mon comfort ship, c'est de là, enfin, d'Ange Digimon, du coup. Après, j'en ai d'autres en vrai des chips dans Digimon, j'ai pas que ces deux-là, mais ces deux-là, c'est quand même mes choupinous choupinous, quoi. Genre, ils sont trop choux. Genre, vraiment, le ship hétéro avec Ken, je trouve qu'il sort absolument de nulle part. Du coup, j'étais extrêmement triste. Je me disais, mais avec Davis, ils sont tellement bien ensemble, ils se comprennent, ils partagent le même cerveau, c'est tellement chou. Meilleur couple gay des canards Disney car ultra sous-coté. Bah, ma foi, les chips sous-cotés, c'est ma religion, tu sais. Sérieusement. Je crois que c'est hyper rare pour moi de shipper un ship, comment dire, populaire. Genre, faut toujours que je ship à côté, en fait. Et du coup, ça rend les choses extrêmement compliquées quand il s'agit de trouver du contenu. Du coup, je suis toujours obligée de le faire moi-même et ça m'énerve profondément. Genre là, par exemple, pour Davis et Ken, je cherchais juste des références pour leurs fringues.
Et je suis tombée sur des fanarts de Davis avec TK et j'étais genre. Je comprends l'idée, mais non. Genre, c'est un des rares ships hétéros que je préfère pour le coup, c'est TK et Kari. Je trouve qu'ils vont tellement bien ensemble. Et ça me fume parce que. Ils ont jamais voulu le rendre canon alors que c'est hétéro. Je veux dire, qui rend pas un couple canon gay, je comprends, parce que voilà, ils sont homophobes et tout ce que tu veux. Mais TK et Kari, ils avaient tellement de potentiel, j'ai jamais compris pourquoi ils ont pas voulu les rendre gays. Enfin, ils ont pas voulu les mettre ensemble, quoi. Ça n'a aucun putain de sens à mes yeux. Alors, sinon, il y a quelques jours, j'ai fait un art thread sur Tumblr et le dessin que j'ai reçu est top. Bah, c'est génial, ça! C'est grave, grave cool. Qu'est-ce que je voulais faire du coup? T'avais demandé qui du coup ton OC avec Mister Mask? Je vais mettre une couleur légèrement plus sombre. Qu'est-ce qu'on a? Ça devrait le faire. Ouais, ça le fait. Voilà, nickel. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas colo, alors qu'en fait ça doit faire peut-être 2 ou 3 semaines, peut-être. Parce que je sais qu'avant de commencer l'Ulule, j'avais fait quelques illus. Mais je sais plus de quand ça date. Évidemment. Bah oui, forcément. Pourquoi je pose la question? Mais ouais, du coup, ben, la dernière élue que j'ai fait, ça devait être Shinichi et comment il s'appelle? Et Eiji, de Détective Conan. Je crois que ça devait être eux, la dernière que j'ai faite. Ah non, non, je dis des bêtises. La dernière, non, c'est pas, mais en même temps, c'est pas une élue. L'autre truc, c'est des chibis, donc pas vraiment qualifier ça d'élue. Je te l'ai envoyé sur Discord. Ok, bah écoute, je regarderai ça du coup après le live, parce que Discord, il pompe un peu trop de bandes passantes. Du coup, là, déjà que mon PC il fonctionne au ralenti, j'ose même pas imaginer avec Discord. Et mon téléphone il est en charge très loin de moi, donc j'ai pas accès pour l'instant. Mais je regarderai ça plus tard, il n'y a absolument aucun souci. Mais qu'est-ce que je voulais dire du coup, je sais plus. Oui, que du coup, ouais, la dernière élue en couleur que j'ai faite c'était Shinichi et Eiji de Detective Conan. Après, j'avais fait effectivement un chibi de Ren et Yo de Shaman King. Parce que du coup, bah, on devait faire notre comment ça s'appelle? Notre portfolio pour la Yaoi Yorikon, donc montrer les différents produits qu'on va présenter. Et du coup, je me suis dit, putain, il faut absolument que j'ai plus de produits que ce que j'avais l'année dernière. Donc, il faut absolument que je finisse au moins une ou deux illus de plus. Et du coup, je me suis dit, allez, let's go. Donc, j'ai commencé du coup par ma chère Ilu Yu-Gi-Oh! Que je chéris de tout mon cœur, avec Kaiba et Yugi. Et du coup, après, donc j'ai enchaîné sur Shinichi et Eiji, deux détectives Conan que je ship à fond de ma vie. Sinon, je sais pas si tu connais la web-série Eluva Boss. Le nom me parle, mais non, je ne connais pas, non. J'ai sûrement dû en entendre parler, mais sinon, non, je pense pas l'avoir vu, non. Et du coup, donc ouais, donc je m'étais fait plaisir avec ces chips-là. Alors du coup, celle de Shinichi et Eiji, j'en suis un peu moins satisfaite, mais c'est pas grave, je me dis c'était la première fois que je les dessinais, donc let's go. Mais en tout cas, j'étais très contente quand j'ai fait ma recherche de références pour leurs fringues parce qu'il y avait énormément de fanart et du coup, j'étais genre, oh yeah, je ne suis pas la seule, trop bien. Donc ça, c'est le genre de petit truc qui, je dois l'admettre, fait fort plaisir. Donc j'espère juste que quand je serai à la Yaoi Yorikon, il y aura autant de fans que moi et que je pourrai parler et kia kia avec plein de gens. J'ai tellement hâte. Parce que c'est vrai que pour le coup, la dernière fois j'avais quoi? J'avais discuté de Drari. Ouais, les gens ils avaient bien aimé mon Lilu de Drari. Ils avaient bien aimé aussi Lilu de Sakura et Ino. Un peu moins celle de Kiba et Naruto, mais c'est pas grave. C'est comme d'habitude. Hein. Le jour où je rencontrerai quelqu'un qui arrivera et qui me dira oh mon Dieu, ce shape! Là, je considérerai que ma vie a atteint son but. Mais d'ici là, je me fais pas trop d'illusions. Mais tant que les gens sont respectueux, en vrai, moi, ça me va très très bien.
Ok, bah je pense que en ce qui concerne le fond, on n'est pas trop mal. Je pense que ça suffit. Je pense que ça suffit. J'ai peut-être juste rajouté un chouï d'ombre un peu plus foncé. En mode brush, blush. J'ai plus le mot. C'est la taille normale, ça, on va dire que oui. Alors hop, palopop. Hop. Voilà. 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 Et un. Voilà. Bien, on est bien. Juste un tout petit ici et on est bon. Voilà. Voilà. Maintenant, je peux passer. Ses yeux. Là, c'est très pratique parce que du coup, il n'y en a qu'un seul qui a les yeux ouverts, donc ça va aller extrêmement vite. Extrêmement. Tu rates un truc de malade, elle est ultra bien. Bah, après, ça dépend. C'est quoi le pitch? Parce que ça peut être ultra bien, mais est-ce que c'est dans mes goûts, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, par exemple, là, je pourrais te dire, est-ce que t'as vu Sense8? C'est ultra bien! Mais faut kiffer, quoi. Après, je comprendrais pas les gens qui pourraient ne pas aimer Sense8 parce que ça m'a complètement ouah mon cerveau. Genre, je suis pas très fanfiction. Je suis pas très science-fiction en général. Moi, je préfère la fantasy, mais là, tu regardes sur Wikipédia le synopsis, c'est trop long. PTDR. Bah écoute, je regarderai ça après le live du coup. Que comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, la bande passante, elle est un peu trop hardcore pour moi, donc ce sera pour plus tard, hein, quoi. Mais ouais, bah ouais, je regarderai ça, y a pas de souci. Let's go. Mais ouais, du coup, moi j'ai découvert Sense8, bah c'est quand j'avais reçu les jaquettes, du coup. La toute première fois où j'avais emballé mes bouquins, c'était donc en 2018 avec ma pote à l'époque, on s'était fait un marathon Harry Potter. Et du coup, bah, ça nous tenait le temps qu'on plie toutes les jaquettes, il y en avait 200 et quelques, je crois, donc 250. Et ou plus. Non, peut-être 500. Peut-être 500, je sais plus. En parlant de fanfic, j'ai repris ma fanfic Mister Mask et mon OCA. Bah, c'est chouette! T'en es à combien de chapitres? Et ouais, donc du coup, on s'était fait un marathon Harry Potter, et là, du coup, je me suis dit, est-ce que je me refais un marathon Harry Potter en mode ça reste une tradition, ou est-ce que je tente une autre série? Et je sais pas pourquoi, j'ai décidé de commencer à regarder Sense8. Je pense que c'est parce qu'on m'en avait parlé il y a quelques années de ça, on m'avait dit, ouais, faut que tu regardes, c'est trop bien et tout. Et. Trois chapitres. Trois chapitres sur combien? Parce que t'as l'air de dire 3 comme si c'était pas beaucoup, mais c'est déjà bien 3 chapitres. C'est toujours mieux que 0. Faut voir les choses comme ça. qu'est-ce que je voulais dire du coup? Donc ouais, donc du coup, je me suis dit, allez, let's go, je vais regarder Sense8, on va voir ce que ça donne. Et oh my goodness! Genre, je vais pas mentir, les 2-3 premiers épisodes, j'ai eu un peu de mal au début, parce que c'est extrêmement long. Parce que bah, contrairement à d'autres séries, en fait, on suit 8 personnages principaux, pas seulement un. Bon, il y en a quand même un qui se détache du lot, on va pas mentir. Mais on a quand même 8 protagonistes à suivre. Et du coup, ben, faut suivre aussi la façon dont ils interagissent les uns avec les autres et avec leur entourage proche. Et du coup, ça met vachement de temps à se mettre en place pour que nous, on comprenne, que eux, ils comprennent ce qui leur arrive. Et du coup, ouais, le début c'est long, mais alors une fois qu'on a capté le principe, oh! C'est trop bien! Genre, franchement, j'avais jamais vu une série pareille, et du coup, la première chose que j'ai dit à mes potes quand j'étais vers la fin du truc, c'est j'ai pas vécu une chose pareille depuis la fin de She-Ra, quoi. Genre, faut vraiment dire que quand je suis arrivée à la fin de She-Ra, j'étais en larmes, mais c'était des putains de larmes de joie. Où j'étais genre, mais merci aux créateurs, scénaristes, réalistes, réalisateurs, artistes qui ont bossé sur ce projet, parce que waouh! Et du coup, Sense8, ça m'a fait la même chose, quoi. Genre, je suis arrivée à la fin, j'ai fait merci, merci d'avoir fait cette putain de série, c'était tellement bien! Ah! Du coup, là, je suis en train de me la remater un petit peu
en fond sonore, on va dire. Alors, j'ai vu un Young Fly. Qu'est-ce que c'est que ça? Un Young Fly. Ou Lounge Fly? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mister Mask sur le net, je le veux trop, mais ma famille me dit qu'on dirait un sac pour gamin. Ah, mais tu les emmerdes, écoute. J'espère vraiment que, une fois de plus, personne ne va passer au moment où je dis ça, parce que déjà, la dernière fois avec Erza Bichette, j'avais dit un truc genre j'emmerde ta mère ou ton père. Donc, ah, mais c'est bon, t'as le droit d'acheter ce que tu veux si ça te fait plaisir. C'est quoi ces gens? Non, mais je rêve. Du coup, donc les yeux, c'est bon. Donc ouais, du coup, je suis arrivée à la fin de Sense8 et j'étais genre, oh my goodness, c'est tellement extraordinaire. Genre, un truc qu'on voit extrêmement rarement et encore plus extrêmement rarement bien représenté, c'était un couple poli. Genre, c'était extrêmement bien amené. Au début, je me suis dit, ah bon, c'est encore un triangle amoureux. La meuf, elle va choisir ce mec-là parce qu'on sait bien qu'elle est mieux avec lui. Mais en même temps, l'autre mec, il est sympa, il est choupinou et tout. Et non, elle finit avec les deux. Et j'étais genre, what? Trop bien! Oh la gueule! Oh my goodness, j'étais tellement pas prête. Genre, je me suis trop dit qu'à un moment donné, il y en aurait un des deux qui allait être triste parce qu'elle allait choisir l'autre et tout. Et en fait, et en plus, ils sont vraiment trop mignons tous ensemble. Ah. Ah, rien que pour ça, franchement, j'attends trop la fin de la série, quoi. Le dernier épisode, il fait 2h30, je crois, un truc comme ça. Mais oh, qu'est-ce que ça vaut le coup, purée! C'est le meilleur épisode de toute la série, quoi. Bref, franchement, merci. Mais alors, un énorme merci aux personnes qui ont travaillé sur ce projet parce que vraiment, ils ont créé un truc de dingue, quoi. Du coup, j'en parlais avec une pote qui, elle, du coup, l'avait regardé à l'époque où ça venait de sortir. Et elle m'a dit, mais nous, on n'avait pas encore la fin. Ils ont réussi à créer un dernier épisode justement parce que les fans l'ont demandé. Que apparemment, ça se finissait avant le dernier épisode de 2 heures. Et j'étais genre, mais comment c'est possible qu'ils aient laissé la série en suspens sans l'épisode de fin, en fait? Genre, comment? Donc bref, voilà. Du coup, je suis extrêmement reconnaissante aux fans qui se sont battus à l'époque pour avoir la fin, parce que je pense que si je l'avais regardée à ce moment-là et pas maintenant, en sachant que la série est finie et qu'elle se finit bien, j'aurais été extrêmement triste. Je pense qu'il n'y aurait pas eu assez de fanfics dans ce monde pour soulager ma tristesse. Alors, sinon, une streameuse Fury FR avec plus de 1000 abos a dit qu'elle adore mon OC avec Mister Mask sur son Discord. Bah, c'est super ça! C'est grave cool! Du coup, c'est une streameuse qui dessine du Fury sur son live, du coup, c'est ça? Et du coup, elle a un Discord et t'es dessus? C'est ça? On rajoute un tout petit chouïa d'ombre en plus. Bah voilà, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Est-ce que j'avais vraiment besoin de flouter ou pas? Je suis pas sûre. Je pense que c'était mieux avant que je floute. Juste rattraper le petit bout là. Voilà, et voilà. C'est mieux. Il fait du gaming, pas du dessin. Ah, donc il existe des jeux Fury, c'est ça? Genre FNAF, je crois que c'est ça le nom. Je crois que c'est ça. Je connais pas beaucoup de jeux Fury, mais il me semble que c'est ça. À moins qu'il y en ait d'autres, peut-être. Ça c'est bon. J'avais pas un autre calque avec le blanc. Ah si, il est. Je me disais aussi. Alors on va prendre un gros feutre, merci bien. Voilà. Tac. Voilà. Voilà. Et maintenant on prend un piti pour les petits bouts.
Ça fait tellement bizarre de changer la disposition des comment ça s'appelle? Des ombres et tout. Enfin des lumières, pardon. Ah putain, je vais y arriver, des iris dans ses yeux. Et du coup, je voulais vraiment suivre le mouvement de là où il regarde, donc. Donc, voilà. Ok, ça c'est bon. Non, elle joue à des jeux normaux, genre Zelda ou Fall Guys. Bah, je sais pas, tu dis que c'est une streameuse furry, donc moi, à partir de là, j'imagine qu'elle joue à des trucs furry ou qu'elle dessine des trucs furry, tu vois ce que je veux dire? À moins qu'elle porte un cosplay furry. C'est pour ça que tu dis que c'est une streameuse furry? Moi, je peux faire que des hypothèses tant que tu me donnes pas plus de détails, en fait. Et du coup, ça, c'est bon. Je vais mettre un peu plus de blanc maintenant. Voilà. Voilà. Ah, tiens, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Hop, et hop là. Voilà. Bien, ça c'est bon. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire la peau. Il faudrait peut-être que je sauvegarde aussi, tant qu'à faire. Parce que du coup, je me suis tellement fait chier avec cette couronne de fleurs là. Ok, donc je disais la peau. Alors, c'est quel type de peau? Ça, c'est plutôt orangé, c'est plutôt quoi? Dis-moi tout. Couleur intermédiaire. Ah ben non. Disque chromatique. Ouais, il a plus une teinte de peau orangée du coup. Alors, ensemble des couleurs, et on va prendre ça. Voilà. Putain, on voit que dalle. Non, sérieusement, on voit que dalle, c'est pas possible. Qu'est-ce que je pourrais choisir? Je voudrais quelque chose de foncé, s'il vous plaît. Je vais peut-être partir sur les couleurs additionnelles, ce sera mieux. Voyons voir. Non, ça c'est pas assez. Ça peut-être. Ouf! Mon dieu, pas assez saturé. Alors, voyons voir ça. Si je mets cette couleur-là, ça donne quoi? Peut-être celle-ci. Non, c'est pas assez foncé. Mais ça, j'ai peur que ce soit trop orange, par contre. Ah, c'est pas trop orange, c'est pas bon. Ah, que faire, que faire, que faire? Ça va être trop jaune, je parie. Ouais. Ouais. Et ça, qu'est-ce que ça donne? C'est compliqué de trouver un truc bien, là, j'ai l'impression. Ouais, on va peut-être partir là-dessus. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, merde, depuis tout à l'heure je suis sur la peau, c'est pas vrai, mais quel guignol. Bah, je comprends mieux maintenant pourquoi c'était pas aussi foncé. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça donne du coup si je change. Attention, suspense. Ah, bah voilà, tout s'explique. Tout s'explique. Allez, c'est parti. Non, du coup, il faut que je fasse gaffe parce que c'est mélangé avec trois calques différents, ce truc. Oula, oh là là, ouf! Oh mon Dieu! Voilà. Voilà, on est pas mal. Allez, un petit coup de bleu. Ah,
Alors, du coup, je te raconte pas en ce moment, c'est affreux, j'essaye de déménager. C'est la galère. Genre, c'est marrant parce que à chaque fois que j'essaie de déménager, c'est toujours en plein pendant que j'ai un Ulule, quoi. Genre, sérieux, j'espère vraiment que le prochain Ulule que je vais faire, je vais pas décider encore de déménager à ce moment-là, quoi. Sérieusement. Après, voilà, on choisit pas les circonstances non plus, mais si je pouvais éviter, j'avoue que je me sentirais plus tranquille si j'avais juste un Ulule ou soit un déménagement à gérer et pas les deux en même temps. Ce qui explique aussi pourquoi j'aimerais que les gens me répondent un peu plus rapidement à leur dédicace, comme ça je peux trier ça et me concentrer uniquement sur le reste. Ah, n'est-il pas adorable? J'ai trouvé un même dessin et j'ai trop envie de le dessiner avec mon chip OCX Canon. C'est quoi? C'est quoi comme genre de mème? Voilà, nickel. On met un tout petit peu là en dessous. Oh. Alors, du coup, j'avais fait ça avec mes feutres à alcool. Du coup, je vais essayer de voir ce que ça donne si je le fais là-dessus. J'avais fait ça comme ça. Ça passe. Ça passe. C'est pas mal. Alors, je sais que des fois, il y a des gens qui font un truc un peu comme ça. Je vais peut-être voir ce que ça donne. On va voir. Suspense. Ouais. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas moche non plus. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on passe au petit doigt. Ça, c'était tellement la galère quand j'ai dû utiliser les modèles 3D pour refaire la pose. Oh. Parce que du coup, il y avait un gros souci avec la tête de Davis, qui était pas. qui était un peu trop grosse et un peu trop. Déconnecter son corps limite. Mais là ça passe. Franchement, ça. Je me dis que ça aurait pu être pire. Donc voilà. Je voulais absolument qu'ils aient un dessin le plus doux possible et le plus réussi aussi. J'ai tellement hâte de pouvoir le poster. De dire, regardez les gens comme ils sont mignons. Oh, qui a? Ça, c'est bon. Je vais mettre un petit peu par ici. Je teste, hein. Je fais des tests. On voit ce que ça donne, si ça passe ou pas. Non. Et non, et non, non. Ça ne marche pas. Bien, ça c'est bon. Bonjour Flying Deer Composer. Quel nom à rallonge. Comment ça va? Ah, j'avais pas vu la phrase de Cookie Ruby au-dessus. Je me demande si avec les modèles 3D, on peut faire des styles Fury Cartoon en trop. Ouh, c'est une bonne question ça. C'est une très bonne question. Bah, je sais que la nouvelle version de CSP, elle est plus malléable au niveau des modèles 3D, mais je sais pas si ça fonctionne à ce niveau-là ou pas. J'avoue que faudrait que tu poses peut-être la question sur Twitter ou sur certains de tes Discord Fury, peut-être. Peut-être qu'ils ont testé et qu'ils ont trouvé une façon de faire. Ça vaut le coup de demander, je dirais. J'ai failli oublier le coin des yeux. Pop, pop, pop. Pop, pop. Voilà. Un tout petit chouï, tout petit de rien du tout. Non, j'ai fait trop près de l'œil. Zut.
Zut. Bon, la prochaine fois, je ferai quand même un calque séparé à la fois pour les yeux et pour la peau parce que là, quand ça déborde, c'est pas top top. C'est pas. Ah, tu préfères que je t'appelle Fly, du coup. Ça marche. Ça va plus vite, c'est plus simple. Bah écoute, ça va, tranquille, hein. Du coup, j'avance mon petit ship tranquillou bilou. Et je suis pleine de joie. Oh! Bon, par contre, faut que je vous raconte la mésaventure que j'ai eue hier avec la poste. Oh! J'ai appris une leçon de la manière la plus difficile. Que du coup, moi, quand je fais les envois de livres, en général, bah, c'est un volume. Du coup, j'ai toujours l'habitude de prendre une petite enveloppe avec des timbres que j'imprime au préalable sur le site de la poste. Comme ça, au moins, j'ai pas besoin de me déplacer à chaque fois. C'est beaucoup plus rapide. Puis en plus, ben, j'ai un papier spécial pour imprimer les timbres chez moi, donc c'est encore plus pratique. Et du coup, ben, là, pour la première fois, j'avais un paquet avec trois livres à livrer. Du coup, je me suis dit, bon, ben, il me faut des plus gros emballages, mais c'est pas grave, donc je fais ça. Et là, j'imprime du coup une étiquette comme d'habitude, que celle que j'utilise pour mes lettres. Sauf que, ce que je ne savais pas, c'est que au bout d'une certaine épaisseur, une lettre est considérée comme un colis. Comme un colissimo. Et moi, du coup, je me suis fait chier à imprimer des lettres qui coûtaient une blinde. Tout ça pour que quand j'arrive à la poste, la nana, elle me dise, mais non, en fait, vous pouvez pas utiliser ça parce que c'est pas la bonne épaisseur. Et moi, j'étais genre, quoi? Que, hein? Qu'est-ce que vous dites? Mais j'ai investi de l'argent dans ces timbres, en fait. Et du coup, elle me fait, bah non, il va falloir que vous repayiez de nouvelles étiquettes et tout. J'étais genre, du coup, supplément pour payer tous les colissimos. Et là, pour le coup, j'étais genre, heureusement qu'il n'y a eu pas plus de gens qui ont pris le pack découverte, parce que sinon, je sais pas combien j'aurais déboursé, mais ça aurait été affreux. Donc voilà, du coup, je me dis, c'était affreux, mais au moins, la prochaine fois, je le saurai. Je vérifierai d'abord mes lettres au préalable avec ma règle pour vérifier que ça fait bien moins de 3 cm d'épaisseur et que du coup, je n'ai pas de problème et que je ne vais pas payer un supplément, que je vais directement payer ce qu'il faut. Et comme ça, tout ira bien. Voilà. Et vous, c'était quoi la leçon que vous avez appris avec la manière difficile? Ah, je vous jure, clairement, au moins je me dis, je ferai plus jamais la boulette, quoi. Mais alors, plus jamais. Surtout qu'en plus, dans l'eau, il y avait quelques lettres qui étaient à l'international, donc. Ça faisait pas du bien non plus. Ah, j'ai dépassé. C'est là que je me dis, heureusement que c'est au Digi, parce que purée, j'aurais fait ça avec un feutre. Ah, j'aurais été tellement triste. Ouais, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue du tout. Je pense qu'il me faut une teinte légèrement plus saturée pour celui-là. Peut-être ça. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà, nickel. Je vais lire que dessiner, je re peut-être plus tard. Ok, il n'y a pas de souci. Bah écoute, bon après, mais sinon, à toute. Ça marche. Est-ce que oui, non, si, il faut que je rajoute un peu d'ombre par ici. Et un peu ici aussi. Voilà. Voilà. Ben voilà, c'est mieux. C'est tout un art de trouver les bonnes teintes, n'empêche. Alors, du coup, faut pas que j'oublie les petits rougissements sur les joues. Je vais choisir cette teinte-là et je vais choisir ce brush-là. Ah, trop mignon!
par là. Et un petit peu par là. Bah voilà, nickel. Oh, sont-ils pas adorables? Alors, du coup, sa peau à lui. Franchement, je sais pas comment je me débrouille à chaque fois, mais mes chips, ils ont toujours cette différence de peau que je kiffe. Je sais pas. Je trouve que esthétiquement, c'est super satisfaisant quand il y en a un qui a une peau beaucoup plus pâle que l'autre. C'est, je sais pas, un contraste que j'apprécie. Alors attends une seconde. Ces deux sens-là, la lumière. Donc non, c'est bon, je suis bien comme il faut, ça va. Ça va, ça va. Une fois, je voudrais quand même faire des dessins d'observation de la lumière, des couleurs. Parce que des fois, je me dis, putain, je mets vraiment les trucs au pif, en vrai. Un peu de technique, ça pourrait aider parfois. Parfois. Non, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Abord, 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 abord. Voilà. Voilà. Ah, nickel, parfait. Parfait, parfait. Je suis partie pour me faire Brooklyn Nine-Nine pour la 10e fois au moins. Au moins. Parce que je savais pas quoi regarder après Sense8. Et du coup, je me suis dit, faudrait un truc sympa, un truc un peu léger, un truc que j'aime bien. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est parti pour me refaire encore une fois Brooklyn Nine-Nine. Du coup, ce qui est vachement sympa, et je m'en suis rendu compte et je suis contente. Alors après, est-ce que c'est aussi parce que je commence à connaître de mieux en mieux les épisodes à force de les avoir regardés? Mais du coup, il y a des moments où je joue sur mon téléphone et je suis quand même capable de comprendre ce qu'ils disent sans regarder les sous-titres. Je trouve ça plutôt chouette. Bon, alors je le suis pas quand il parle beaucoup plus rapidement, du coup. Mais sinon, quand même, un petit peu. Du coup, je trouve ça chouette. Après, voilà, je me dis, je pense qu'il y a quand même le fait que je sache de quoi l'épisode il parle qui fait que ça aide au niveau de la compréhension. Mais quand même. Après, j'avoue que quand mon attention se relâche, là, je regarde et je fais qu'est-ce qui se passe? Ok, ça c'est bon. Ah, ça m'énerve quand il bug comme ça. Pourquoi tu bugs comme ça? Ah. Voilà, nickel. Ah, oh, ma Z, j'ai tellement hâte d'avoir enfin un nouveau job, d'être posée, d'être tranquille. Ah, c'est extrêmement relou. Non, c'est trop. Oh, voilà, c'est mieux. Quoique. Quoique, quoique. Je vais peut-être faire comme ça. Et là, je mets un truc plus foncé. Ouais. Ça me paraît correct. Alors. Donc, il a la peau plutôt marron. Donc. Peut-être ça. Est-ce que c'est trop foncé ou pas? Ouais, un peu trop foncé. Un peu trop foncé, gars. Peut-être ça. Je suis pas sûre. Peut-être celle-ci. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas trop mal. Juste à flouter un petit peu. Hop. Voilà. Je sais pas. C'est peut-être pas assez foncé finalement. Peut-être que l'autre était mieux finalement. Après, je veux pas que ce soit trop proche de sa couleur de cheveux non plus, mais bon, on fait comme on peut. Hein. Tout cas, j'ai hâte de le sortir en sticker, celui-là. Je vais le coller direct. Direct. Mais je pense que je vais pas en imprimer beaucoup. Parce que je me dis que ça sert à rien si jamais ça fait un flop. Après, j'avoue que si j'en imprime et que je vois des gens qui débarquent à la Yayoi Con en me disant « Ah mon Dieu, c'est trop bon chip !» J'ai Parce que bah, Digimon, c'est un peu vieux. Puis genre, même quand j'étais allée au Japon, du coup, et qu'on avait cherché dans un magasin qui vendait des doujins, j'ai galéré pour en trouver. Enfin, je dis j'ai galéré, mais je dois en avoir une petite dizaine au moins. C'est pas mal.
Après, voilà, je me dis, qu'est-ce que ça aurait été si j'étais tombée pendant une pleine période de hype, quoi. Je crois qu'il y aurait eu au moins une centaine de jeans. Et là, je me dis, ça aurait peut-être été un peu compliqué pour mon porte-monnaie, en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment un mal, finalement? Pas sûr. Mais un jour, peut-être, un jour, je réussirai à aimer un truc pendant l'hype. Mais d'un autre côté, j'aimerais pas trop. Parce que je me rends compte souvent quand je fais des conventions et qu'il y a des trucs que je suis pas à la hype du tout. Et je me dis, mais heureusement en fait, parce que du coup, j'ai pas envie d'acheter. Et je sauve mon porte-monnaie de cette façon. Et ouais. Parce que, genre, par exemple, admettons que je joue à Genshin. Hi Oh la vache! Alors là, je serais complètement foutue. Complètement foutue. Non, c'est moche, on dirait qu'il a un œil au beurre noir, c'est dégueulasse. Du coup, je vais supprimer ça aussi, voilà. Ouais, on va dire que ça passe. Et du coup, un peu de rouge. Voilà, et un peu. Non, non, c'était pas bien. Voilà, nickel. Alors, du coup, ça c'est bon. Du coup, je vais juste rajouter un peu de blanc sur leur peau. Histoire de. Non, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue. Peut-être qu'il me faut un plus fin là pour le coup. Voilà, c'est carrément mieux là. Alors, tac. Ouf, mon Dieu, c'est beaucoup trop gros. C'est affreusement gros. Non plus. Peut-être que je vais juste garder le petit pouce sur le nez. Je sais pas. Oh, ça fait tellement longtemps. Avant, j'avais trop un truc que je faisais avec le nez comme ça. Mais là, j'y arrive plus. Va savoir comment je faisais. Va savoir. Ouais, on va laisser comme ça. C'est parti, c'est parti. Hop, 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 hop. Depuis que j'ai découvert ce truc pour les paupières, je l'utilise, mais alors tout le temps, quoi. Je sais pas, ça rajoute de la profondeur, je dirais. Voilà, j'ai oublié d'en mettre un petit peu là-haut. Ah! Mon Dieu, non. Mon Dieu, non. Voilà. Et là, normalement, ça devrait ressortir encore mieux ici. Ah, bah, je me suis chiée. Non, toujours pas. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Si je zoome à 1000%, je vais y arriver. Voilà. Ça, c'est ouf quand même, comme un minuscule trait, si tu le fais pas correctement, ça change absolument toute la donne, quoi. Non, toujours pas. C'est chaud, hein. Le truc, il doit faire moins de 2 cm. Je crois que là, on est bon. Coucou Erza! Comment ça va-t-il? Du coup, faudra que je te demande, Erza, j'avais pensé à un moment, mais après j'ai complètement zappé, que tu me dises le nom de ton père ou alors le nom du pseudo qu'il a utilisé pour le Ulule, parce que comme ça au moins je pourrais le cocher sur ma liste pour savoir à qui je fais les envois, tu sais. Que je me dise pas, mais tiens, pourquoi il me reste un nom, qui ça peut bien être, tout ça. Comme ça au moins je sais qu'il n'y a pas d'oubli ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai complètement, mais alors complètement oublié de te demander ça, quoi. Et d'ailleurs, faudra aussi que je te demande ton adresse pour t'envoyer les magnettes. Ça va super, je viens de rentrer de chez ma tatoueuse. Oh, grave cool! Alors, tu t'es fait quoi? Tu t'es fait le tatou de Fairy Tail? J'assume que c'est ça, mais peut-être que ça l'est pas.
Après, bon, ça m'étonnerait que tu te sois fait le tatouage de Jellal sur la tête. J'en doute fortement. Je vois ça avec mon père ce soir si j'y pense. Bah, au pire, je t'enverrai un message sur Instagram, c'est pas grave. Ça, pareil, le petit trait sur les ongles, ça fait un truc de dingue. Et je me dis, mais pourquoi je ne le faisais jamais avant? Parce que j'y pensais pas, tout simplement. Déjà fait Fairy Tail. Ah! Ma foi. Comme quoi, je te connais bien, du coup. Tu vas faire quoi alors du coup? Je me disais, mais pourquoi ça déborde sur les cheveux? Bah oui, c'est normal, c'est au-dessus du calque des cheveux. C'est pour ça que ça déborde. Je fais le symbole de Eden Zero. Et un tatouage The Whole House. Quoi comme tatouage The Whole House? Ça m'intéresse. Tiens, j'ai oublié de lui faire son petit nez là. Bah alors. Bah voilà, c'est carrément plus mignon comme ça. Je peux pas te montrer tant que tu n'as pas fini. Ah mince! Mince, ok. Bah écoute, je vais essayer de regarder la saison 3 dès que je peux. Hein. Et je te dirai quand ce sera fait. Et d'ailleurs, en parlant de finir des choses, est-ce que tu as lu le volume 3 ou pas? Parce qu'il y a des gens, ils l'ont lu dès le jour où ils l'ont acheté. Hein. Donc, voilà quoi. Bon, pour l'instant, j'ai eu que des bons retours. Donc, ça me rassure énormément. Merci beaucoup. Merci les gens. Non, j'avais extrêmement mal mis. Je vais peut-être plutôt mettre ça. Ça sera mieux. Voilà, c'est mieux. C'est carrément mieux. Ça ici. Ça là. T'as le nez qui brille et on dirait qu'ils sont malades. pas encore trop de lecture en ce moment. Shame! 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 Alors. Et tu oses te prétendre une fan de Max après ça? Shame! Non, mais en vrai, t'inquiète, tu lis quand tu peux. Hein. C'est juste que là, du coup, j'étais tellement surprise que les gens, ils le lisent direct, qui était tellement au taquet. J'étais genre, what? Il y a une nana comme ça, elle avait commenté sur un de mes vlogs, elle a fait « Ouais, je l'ai lu en 1 heure », je fais « What? Quoi? » 3 ans de désespoir et de tristesse pour être lu en seulement 1 heure. Il me manque mon Max, je le lirai vite. Oh, j'espère bien. Bon, je crois que la peau et le reste, c'est bon. Je vais passer aux cheveux. Alors, les cheveux. Tac, on enregistre parce que... pardon. Je pensais pourtant avoir bien dormi. Apparemment pas assez. Alors, je vais sélectionner du coup ses cheveux à lui. Hop. Voilà. On va enlever ça. Voilà. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, j'aimerais bien réussir à trouver une façon consistante de colorier les cheveux. Et une façon qui me plaise aussi, éventuellement. Ce serait pas mal. Ce serait franchement pas mal. C'est trop épais, c'est beaucoup trop épais. Là, à la limite, ça va.
Là, ça va, mais je vais flouter un peu. Enfin, j'ai la chanson de Epic The Musical dans la tête. My name is nobody, nobody, nobody. Alors que pourtant, au début, j'aimais pas forcément cette chanson-là de la comédie musicale, mais je dois avouer que elle est pas mal. En fait, j'aime surtout pas. Enfin, pour ceux qui. Quoi, qu'est-ce qu'elle dit? J'aurai le droit au dessin de Max pour l'envoi. Je crois, non? Quoi? Quoi, hein? De quel dessin de Max tu parles? Par contre, le tatou sur le poignet, ça pique de ouf. Bah, tu m'étonnes, elle est tendre la peau du poignet. Alors, le dessin, ça dépend en fait. Si tu parles, j'imagine, du dessin au feutre à alcool, ça dépend du palier qui a été choisi en fait. Si c'est le palier à 30, à 35 euros, c'est un chibi. Si c'est le palier à 60 euros, c'est un headshot. C'est pour ça qu'il me faut du coup le nom de ton père pour savoir qu'est-ce qu'il avait choisi comme palier. Parce que oui, effectivement, s'il a choisi un des deux, oui, t'as un droit à un dessin de Max en plus, oui. Mais voilà, ça dépend duquel. Bah écoute, tu verras. Tu verras bien du coup, parce que pour l'instant, il y a encore des gens qui m'ont pas répondu. Donc j'attends. J'attends désespérément les réponses pour pouvoir enfin me dire ça y est, c'est bon, le Ulule, c'est fini. Parce que là, du coup, ouais, il y a encore, je sais pas, entre 20 et 30 personnes qui m'ont pas répondu. Et du coup, bah ça fait encore pas mal de taf. Donc j'aimerais bien pouvoir me dé. J'arrive plus à parler. J'aimerais bien me concentrer uniquement sur le déménagement et plus sur le reste. Ce serait bien. Parce que oui, du coup, c'est la dernière année que je passe dans le sud. Je vais retourner dans le nord. Donc, je pense pas refaire des conventions dans le sud, du coup. Ça dépendra peut-être si j'arrive à un jour être acceptée à Mangazur, genre la convention telle une licorne où on ne peut jamais accéder. il a intérêt à avoir pris le 60 euros. tu m'étonnes. Oh non, bah et si, ça y est. Je me suis enfin décidée à retourner dans le Nord. Parce que je préfère là-bas au final. Après, il faudra voir si jamais je trouve des gens pour m'héberger et tout. Peut-être que je reviendrai pour peut-être la Play Azur ou la Pop Show. Je verrai. Je verrai. Mais rien n'est moins sûr. Parce que l'avantage, j'avoue, dans le Nord, c'est qu'il y a énormément de choix. Énormément. Donc, j'aurais pas besoin de me dire, oh non, que vais-je bien pouvoir faire? Bon, déjà, je pourrais peut-être enfin tenter la Japan XZ de Strasbourg, que je rêve de faire depuis que j'ai appris qu'elle existe. C'est-à-dire depuis l'année dernière. Manger des bretzels aussi. Bon, ça, on peut le faire même en dehors de la convention, bien sûr, mais quand même. Putain, mais comment je me suis démerdée pour faire ses cheveux, quoi? Comment? Ah, mais attends, c'est pas ce brush-là qu'il faut que j'utilise, c'est celui-là. Non, non, il est trop épais. Il est trop épais, j'ai rien dit. Je vais le. Voilà. En 14, c'est pas bien. 15, je préfère. Voilà. Bah après, l'avantage, c'est que même si je fais plus de convention dans le sud, tu pourras toujours trouver mon bouquin ailleurs. Hein. Ça, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa de se voir en direct. C'est sûr. Mon fanart de Max est encadré. Non, il n'est pas encore encadré, non. Mais il ne m'a pas quitté, il a séjourné bien sagement sur mon bureau depuis que je l'ai récupéré, t'inquiète.
C'est mieux, RL, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, de toute façon, le jour où je reviens dans le sud, je ferai une annonce. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vu que j'ai réservé pour la pop show, je la ferai. Ça c'est sûr. Donc on se verra au moins sûr en novembre. Après, voilà, pour ce qui est des années suivantes, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'avoue que j'ai plus trop envie de rester dans la région. Plus trop. Non, je suis pas satisfaite. Les trucs sont trop épais. Voilà, c'est carrément mieux là. Yes. Yes. Voilà, c'est bon comme ça. C'est nickel. On est arrivé à quelque chose. Ah, mais ouais. Je vais me trouver mon petit paradis ailleurs. Comme on dit. Oupsi. Après, j'espère juste que ça va aller, puisque du coup, je vais être obligée de retrouver un boulot pour payer le loyer. Du coup, ça va vachement ralentir ma production, puisque ben, là, ces derniers mois, j'avais plus de taf. Donc, du coup, j'étais tranquille. Je pouvais bosser sur le manga H24, 7 jours sur 7. Et là, malheureusement, ça va être compliqué si je veux pas refinir encore une fois en burn-out. Loyer. Eh oui. Ma tatoueuse est trop cool. Elle regarde Miraculous. Ah, mais c'est trop bien, ça! Vous avez pu discuter de ça, du coup, bah quand tu feras ton tatouage aussi, vous pourrez en parler, ça va être chouette. Moi, j'aimerais bien trouver une tatoueuse comme ça, avec qui parler de mes fandoms, ce serait chouette. Mais ouais, le loyer, cette abomination. Je te jure, alors. Franchement, si un jour je me trouve une meuf super riche qui est prête à m'entretenir pour que je vive de ma passion tranquille, mais let's go. Let's go. Mais bon, d'ici là, malheureusement, je devrais me contenter de tenir une caisse, etc., etc. Trin-tin-tin-tin. La dure réalité. Parce que du coup, ça me fait toujours un petit pincement quand les gens ils disent, ouais, vous mettez combien de temps à sortir un volume? Et que je suis genre, ben avec un taf à côté, fatalement, ça met plus de temps, quoi. Et les gens, ils sont là, ah oui. Et moi, je suis genre, bah oui, bah oui. Considérez et donnez à mon Ko-fi pour que je puisse sortir mes volumes plus vite. C'est vrai que je pense plus à faire de la pub pour le Ko-fi. J'essaie de faire un peu de pub pour les commissions en ce moment. En me disant que si j'arrive à me faire quelques clients réguliers, ben ça pourrait peut-être me permettre enfin de sortir du système traditionnel du monde du travail, on va dire. Go pécho. Grave. Bonjour, est-ce que tu ne serais pas une riche héritière avec beaucoup d'argent à dépenser et un putain d'altruisme? Ah, ce serait bon, ce serait très très bon. Ce serait extraordinaire. Voyons. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Je vais rajouter un petit calque. Hop là. Et je vais utiliser le brush. Voilà. J'essaie vraiment de reprendre un peu le style que j'ai utilisé tout à l'heure avec les feutres. Histoire que ça fasse une concordance. Non, ça c'était pas bon. Ça c'était pas la bonne idée. Alors du coup, je sais que parfois je fais aussi un petit truc comme ça.
Voir ce que ça donne. Je ne suis pas convaincue du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, c'est compliqué. Ah, les traits, ils sont pas propres. Ça m'énerve. Ça m'énerve profondément. Ouais, ça passe. Ça passe. Ah, purée. Ça fait combien de temps que je suis là-dessus? 1h25. Oh la vache. Ça fait seulement 1h25 et je suis claquée comme jamais, quoi. Oh purée. Je pense que le stress, ça doit jouer au niveau de la fatigue, en vrai. Je serais tellement plus dans mon élément quand j'aurai enfin terminé tout ce bordel. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Genre déjà voilà, une fois que j'aurai fini le Ulule, je serai déjà en mode bon, ça c'est fait. Ça je peux le mettre derrière. Je suis pas sûre que c'était. Enfin, c'était. Ça partait d'une bonne idée, mais je l'ai pas exécutée correctement. Parce que du coup, je me disais, ouais, tranquille, je vais commencer à travailler sur le scénario du volume 4 et tout. Au final, non. Au final, absolument pas. Genre là, par exemple, je suis en train de jouer les extras à la boutique de mes parents et tout. Et je me disais, bon, bah, entre deux clients, je vais prendre un carnet et je vais écrire un petit peu. Mais en fait, je suis pas du tout concentrée, quoi. Mais genre, vraiment pas. C'est affreux. Donc, ouais. Ouais. Voyons, voyons. Est-ce que je rajoute quelques traits ou pas? Je pense que là on est bien. Peut-être un petit là, éventuellement. Parce que du coup, au début, j'étais trop on fire. Genre, j'avais repris ma fanfic, j'avais écrit deux chapitres en 2 mois. J'étais genre, waouh! C'est trop la teuf! Et je m'étais dit, let's go, je vais la finir cette année, je vais prendre un bon rythme et tout. Genre, il est où? Il est où mon super planeur là? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Genre, voyez, tu vois, j'avais mon super planeur où j'écrivais tous les jours. Tous les jours des petites tâches et j'avais réussi à m'y tenir et tout. Mais là, ouais, avec tous les trucs que je me suis mangé dans la gueule, le déménagement, le Ulule et d'autres trucs, je me dis, bon. Ça va être chaud. Perso, mon roman, je l'ai écrit sans réfléchir et tout. Bah, j'aimerais pouvoir faire pareil. Le problème, c'est que dès que j'ai la moindre contrariété, oh, mon cerveau, il se met en pause, en fait. Mon cerveau, il se met en pause et il me dit non. Tant que tu n'évalues pas les contrariétés et l'anxiété, tu n'écris rien. Et c'est extrêmement relou, en fait. C'est extrêmement relou parce que je peux rien faire tant que... Je suis pas calme et sereine en fait. Ah, c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée. Parce que là, je l'ai bien senti hein, quand j'écrivais ma fanfic tous les soirs que j'en écrivais un petit bout. C'était un moment où il n'y avait pas eu d'événement spécial. Je crois que c'était un peu la période avant la Play Azur. Où j'avais pas encore reçu les bouquins, où j'avais pas encore commencé le Ulule, du coup je venais enfin de terminer le débat avec l'imprimeur, j'avais enfin fini tout ce que j'avais à finir, du coup j'avais cette période d'entre-deux où j'attendais les livres et où j'avais rien de spécial à faire, du coup ouais j'étais dans un mood créateur absolument divin, et maintenant, maintenant je suis bloquée de ouf, c'est juste affreux. Donc ouais, clairement, moi je suis le genre de personne pour créer, elle a besoin d'avoir un environnement le plus sain possible, quoi.
est-ce que j'ai bien sélectionné tous ses cheveux? Oui, c'est bon. Donc franchement, mais gloire aux gens qui n'ont pas d'anxiété, en fait. Gloire à ces personnes qui peuvent faire les projets qu'ils ont envie de faire sans se poser de questions, sans se demander, oui, mais attends, là, il va se passer ça à tel jour, là, il faut absolument que je fasse ci, là, un telle personne s'est comportée de telle façon avec moi, du coup, ça me stresse. Clairement pas moi. Ah la vache. Mais ouais, c'est ça le problème quand tu penses trop, que t'as le cerveau en bouillie parce que tu réfléchis à plein de trucs qui te sont arrivés, des trucs forcément désagréables évidemment, mais aussi que tu penses à plein de trucs qui peuvent aussi arriver, et là, je te jure, la cacophonie dans ton cerveau, quoi. C'est juste abusé. Donc ouais, franchement, j'ai vraiment hâte de changer d'air là. Parce que j'espère vraiment que ça va m'apporter de nouvelles perspectives. Un nouveau souffle peut-être. Je ne sais pas. Mais bon, je me dis au moins, quand je serai là-bas, ce sera peut-être plus sympa. Peut-être je rencontrerai des gens cool. Peut-être je pourrai revoir plus facilement d'autres potes aussi, puisque je serai plus proche. Je ne sais pas. Mais bah en tout cas, ce qui est marrant, c'est que je vois que je suis pas la seule à déménager en ce moment. Genre, j'étais en train d'en discuter avec d'un de mes proches qui me disait, ah bah tiens, moi aussi je déménage. Ah bah, oh. Bon, le seul truc qui est con, du coup, c'est que comme on déménage tous au même moment, bah en fait, on peut pas vraiment se donner de coup de main puisqu'on est tous dans nos propres cartons. C'est un peu con. Ça n'empêche, j'ai jamais autant utilisé mon téléphone pour appeler des gens qu'en ce moment, quoi. C'est abusé. Genre, pour une personne comme moi qui en général laisse sonner le téléphone parce que je me dis, ah non, si c'est un démarcheur, j'ai pas envie de répondre. Là, du coup, je me dis, ouais, mais attends, c'est peut-être une des personnes de la société de déménagement qui me demande combien j'ai de volume de mètres cubes et tout. Ou alors, c'est peut-être une société immobilière qui me dit, oui, mais attendez, on a un appart. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui m'appelle pour me dire, hey, nous avons un job pour vous, est-ce que vous voulez passer un entretien? Donc ouais, du coup c'est un peu compliqué pour éviter les appels. Bah, de toute façon, l'avantage c'est que ces gens-là maintenant, bah, ils mettent un message en fait. Ils laissent un message sur le répondeur alors que les gens qui sont là pour démarcher, ils le font pas. Donc à partir de là, je me dis, si j'ai raté un appel et que la personne ne me laisse pas de message, c'est que c'était pas important. Tout simplement. Du coup, j'ai rigolé parce que du coup, c'est mon anniversaire après-demain. Et genre tous les ans, il y a comment ça s'appelle? Une esthéticienne qui me rappelle, parce que du coup avant j'habitais sur Créteil, et du coup qui m'appelle pour me dire oui, vous avez telle promotion et tout pour votre anniversaire, parce qu'avant du coup j'habitais juste à côté. Et en fait à chaque fois, comme elle m'appelle juste pour mon anniversaire, j'oublie de lui dire ouais mais je suis désolée, en fait j'habite plus là. Et là du coup je me dis non, allez, c'est bon, je vais essayer de la rappeler et je renoncerai pas tant que je l'aurai pas eu au téléphone. Et du coup, j'ai enfin pu lui dire, bon, écoutez, par contre, je suis désolée, mais j'habite plus du tout à côté, donc vaut mieux que vous m'enleviez de votre liste de clients, parce que bah, sinon, vous m'appelez pour rien, en fait. Ça vous fait perdre du temps à vous, et c'est triste, quoi. Du coup, elle m'a dit, ah, on vous embêtera plus, et moi, dans ma tête, je dis, ah, mais vous m'embêtez pas, en fait. Je suis plus triste pour vous, parce qu'à chaque fois, vous vous dites, oh là là, pourquoi cette cliente, elle ne me répond pas? Alors que, ben, c'est juste que ben, ça ne me sert à rien, je suis plus à côté, quoi. Ah là là, je vous jure. Courage, merci, je vais en avoir besoin. Ah oh my goodness, je te jure, j'ai tellement hâte que tout ce bordel soit fini. Oh là là, moi je veux juste, voilà, faire mes petits lives tranquilles, pépouze, passer un bon moment, pas avoir à stresser, à me dire, oh là là, il me faut un job, oh là, il faut que je trouve un appart bien et tout. Oh. Franchement, les gens qui ont un niveau de vie qui leur permet de rester au même endroit tranquille, pépouze, sans stresser, mais ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont en fait. Genre, vraiment, c'est un privilège de pouvoir être tranquille comme ça, à faire ses petits dessins et juste se dire bon ben demain il faut que je fasse les courses. Meilleur
meilleure pensée du monde. Juste, voilà, se dire, faut que je fasse mes courses. C'est tout. Merde, je suis allée trop loin. Genre, franchement, des fois, je repense à moi quand j'étais au lycée et que ma plus grosse préoccupation, c'était d'écrire mes fanfics. Oh, j'aimerais retourner à cette époque. Juste écrire mes petites fanfics tranquilles, être au sommet de ma vie. C'est malheureusement quand on quitte ce genre de période qu'on se rend compte de la chance qu'on avait. Hélas. Voilà. Oh, j'aime pas cette truc là. Je crois qu'il vaut mieux mettre du petit flou. Ouais, on va dire quoi. Ok, je pense que je vais pouvoir passer au blanc. Alors, ben du coup, vu qu'on est sur cette couleur-là, on va commencer par lui. Voilà. Ah! C'est moche, à bord, c'est moche. Oh my goodness. Voilà, c'est bon. Je vais faire à manger ce soir, c'est moi qui cuisine. Oh, tu vas faire quoi de bon? Moi, ce soir, je vais très certainement manger une soupe. Parce que c'est rapide, parce que c'est facile à faire. Et que comme ça, je peux manger du pain avec. Riz au curry. Oh, grave chouette. Le curry, c'est simple et nourrissant. C'est un excellent choix. D'ailleurs, je me dis, il fait encore tellement froid en ce moment que les plats chauds, ben, ça se mange tout seul, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai réussi à trouver du riz golden. Du curry golden sur un site. De produits asiatiques, j'étais tellement refaite parce qu'il n'y a pas de magasin asiatique juste à côté de chez moi, enfin pas qui en vendent en tout cas. Du coup, j'étais extrêmement triste parce que avant, quand j'habitais sur Lyon, du coup j'avais un magasin, mais genre littéralement à côté de chez moi. Genre j'avais juste quoi, peut-être un quart d'heure, 20 minutes à pied à faire, même pas. Et c'était extrêmement pratique, du coup j'étais très contente. Et là, ouais, non, c'est vraiment pas la porte à côté. Donc, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait un site qui en faisait, j'ai fait... Du coup, je me suis acheté une boîte de châtaignes d'eau aussi, que j'essaye désespérément de me demander dans quelle recette je vais pouvoir les faire. Parce que je me dis, peut-être avec des nouilles sautées, ça pourrait être sympa. Ça pourrait rajouter un petit côté croquant, peut-être. Alors, ça c'est bon. Maintenant, on passe à ça. Alors. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Parce qu'au final, à chaque fois, je mets le flou comme ça, mais après, alors que je devrais toujours le mettre avant. Telle une personne intelligente. Voyons, c'est extrêmement foncé, donc on va aller dans les couleurs intermédiaires et on va prendre on voudrait du bleu comme ça, non, comme ça. Je teste, on verra ce que ça donne. Ça a l'air d'aller. Ouais. C'est comme ça, n'empêche, quand tu fais pas de colo pendant un moment, t'as l'impression d'avoir complètement perdu ton style, quoi. Genre, comment est-ce que je faisais les choses avant? Comment? Je ne sais plus.
C'est là que je me rends compte qu'il y avait une période, puis ouais, je dessinais, mais trop souvent, quoi. Parce que je me posais pas ce genre de questions. Ah, l'époque bénie de l'école de manga. Ah, merde. Mercredi, mercredi, mercredi. Bon, ben, je vais juste aller en arrière, du coup. Voilà. Moi, j'avais pas pensé à ça, du coup, comme j'ai déjà mis le blush, enfin le brush, le. Ah, j'arrive plus à parler. Ben, du coup, si j'efface, ça l'efface aussi. Faut que j'aille remplir ma gourde. J'ai tellement soif. N'oubliez pas de vous hydrater. C'est extrêmement important. Ouais, je suis pas sûre de moi là pour ce choix. Hop, non. Oh mon Dieu, certainement pas. Certainement pas. Ouais, ça c'est mieux déjà. Voilà. Voilà. Loupé. Voilà, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, mais ils sont mignons tout plein. Allez, on sauvegarde. Ok, pendant que ça sauvegarde, je vais aller me chercher de l'eau parce que je suis déshydratée. Putain, Salem, il me rend folle en ce moment. Je lui mets de l'eau. Genre, la veille au soir, je remplis sa bonbonne d'eau. Et le matin, il me fait la gueule en mode, je vais pas boire ça. Et moi, je suis genre, pourquoi? Ton eau, elle est juste de la veille. Qu'est-ce qui se passe? Genre, on m'avait prévenu qu'en été, il fallait changer plus souvent l'eau. Mais là, je me dis, il fait encore bon, voire même un peu froid. Du coup, comment c'est possible qu'il soit déjà sensible à un changement de température aussi peu visible? Je sais pas. Du coup, c'est extrêmement compliqué de gérer ça parce que je me dis, putain, mais si jamais je dois m'absenter un peu trop souvent, genre un ou deux jours d'affilée, je fais comment? Enfin, lui, surtout, il fait comment? Parce que moi, à la limite, je vais survivre, hein, mais. Mais ouais, du coup, c'est le genre de questions que je me pose là. Et c'est assez stressant. Parce que du coup, j'ai commencé à me renseigner sur les cat-sitters et les trucs comme ça. Mais du coup, je me dis, bon, mais il faut quand même que je leur file mes clés pour qu'ils puissent venir dans l'appart, quoi. C'est tellement de choses à penser, un animal. Je me rendais pas compte. Mais bon, faut ce qu'il faut. J'aime trop, n'empêche, les calques colorés. Depuis que j'ai commencé à les faire, ça a changé ma vie. Ça prend un peu de temps, du coup, mais. Quand même. Oh oui. Voilà. Alors, du coup, t'es parti cuisiner? Je me demande si c'est pas aussi un peu l'obscurité de la pièce qui me donne envie de dormir. Enfin, il fait terne en fait, il fait pas spécialement sombre, mais il fait terne.
J'aimerais tellement avoir la confiance de Gina, quoi, dans Brooklyn Nine-Nine. Genre, à chaque fois, je la vois, cette meuf, et je me dis, mais waouh. Autant des fois, c'est un peu abusé, autant des fois, je me dis, non, mais quel charisme. J'étais triste d'ailleurs qu'elle soit pas intervenue dans la dernière saison. Enfin, il me semble pas. Faudrait que je la revoie. Mais là, comme ça, j'ai l'impression qu'elle y était pas. Ah, on dirait que j'ai un peu de blanc qui a débordé à un endroit où je l'avais pas remarqué. Faudra que je change ça tout à l'heure. J'aimerais au moins finir les vêtements dans le live. Oh, ce serait bien. Mais purée, est-ce que je suis claquée? Ah, c'est affreux. Vraiment, c'est affreux, quoi. En plus, en ce moment, j'ai toujours la colonne super tendue. Enfin, pas la colonne, mais genre entre mes omoplates, c'est extrêmement tendu, c'est affreux. Genre, c'est là, tu vois, que tu sens que t'es stressée. Quand vraiment il y a ce pincement entre les deux qui veut pas partir. Parce qu'après, je suis obligée de passer genre, je sais pas, 20 minutes sous l'eau chaude. Juste pour détendre cette zone, quoi. Je pense que je vais utiliser la même couleur pour tout. Enfin, pas pour tout, mais pour une partie des vêtements, parce que ça s'accorde à peu près bien. Donc, ce serait bête de s'en priver. Genre là, par exemple, voilà, je vois que c'est pas assez foncé. Mais pour le reste, sinon, ça passe crème. Ça passe crème. Voilà. Ah, sont-ils pas mignons? J'ai quand même hâte de pouvoir attaquer mon storyboard. Enfin, mon scénario avant mon storyboard, du coup. Cette fois-ci, je veux vraiment, mais alors vraiment essayer de pas déborder et de rajouter des pages. Genre vraiment essayer de me dire, bon ok, à quel point cette scène elle est importante pour qu'elle ait besoin d'un certain nombre de pages. Et sinon vraiment essayer de raccourcir un peu. Parce que autant le premier volume, je me suis chiée parce que c'était la première fois que je faisais un premier volume de quelque chose. Et du coup, j'ai raccourci des trucs qui n'auraient pas dû être raccourcis. Dans le volume 2, du coup, je m'en suis donné à cœur joie, j'en ai mis plein. Et dans le volume 3, je me suis rajouté un énorme chapitre en plus. Voilà. Et là, je me dis pour le volume 4, ok, on va essayer de se calmer un peu. Et de vraiment garder les 5 chapitres de 31 pages et pas dépasser en rajoutant encore 4-5 pages à chaque fois, voire un chapitre entier. Parce que je me suis rendu compte que, bah, du coup, au niveau de l'épaisseur, c'était relou. Déjà. Et puis même, ça me prend du temps si je rajoute un chapitre de plus. Puis même quand j'arrive au bout de 31, je me dis, ah, ça y est, j'ai fini. Alors qu'il y a certains chapitres, c'est genre 39 pages, et genre. Et là, je pleure. Je pleure parce que je me dis, ah, bah ça y est, je suis à la moitié quand je vois la page 15. Et en fait, je me dis, bah non, c'est pas la moitié là. Faut attendre encore un peu. Ah, je vous jure. J'espère que les gens ils vont l'apprécier ce chapitre bonus parce que purée. Comment je me suis donné du mal dessus. Bon, il y a déjà un gars qui m'a dit que ça lui avait plu et qu'il avait senti que je m'étais éclatée dessus et j'étais genre ah.
C'est trop bien, ça se ressent. Parce que c'est bien vrai, je me suis éclatée, les gars. Je me suis, mais alors, éclatée comme une dingue. Et ça fait plaisir, en fait, de voir que les gens, à partir du moment où tu kiffes un truc, ils le sentent. Ça, c'est grave cool. Puis comme ça, ben, je me dis, au moins pour le volume 4, je pourrais encore plus m'éclater. Et du coup, les gens, ils seront en mode, yes, elle s'éclate, c'est bien. Et je serais genre, yeah, je m'éclate. Bah, déjà, j'ai commencé à écrire les deux premiers chapitres. Déjà. Mais du coup, ouais, c'est pour ceux d'après où je suis un peu moins sûre de moi. Genre, je sais comment ça va finir. Je le sais. Et ce qui est très drôle, c'est que je me rends compte qu'il y a une... Comment dire? Une... merde. Alors, j'ai le mot en anglais, mais je ne l'ai pas en français. Je sais qu'en anglais, ça se dit pattern. Corrélation, non, c'est pas ça. Une redondance, non, c'est pas ça non plus. Ah, c'est très embêtant. Des similitudes? Je suis pas sûre. Bon, bref, que je sais que ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que je finis un volume, ça finit toujours sur max. Genre, à chaque fois. C'est oufissime. Enfin, oui et non. Le volume 1, oui. Clairement, ça a fini sur le point de vue de Max. Le volume 2, non. Mais il y a quand même une grosse case de Max à la fin. Mais le volume 3, c'est encore le point de vue de Max, avec une grosse case de Max. Du coup, c'est très drôle de me dire que le volume 4 aussi, c'est une grosse case de Max. À voir si le volume 5, ce sera pareil ou pas. Alors, tu viens ou pas? Oui, je viens. Miaou. Bon alors, est-ce que t'as essayé de boire un peu à ta bonbonne ou pas? Oui? Non? Oui? Non? Oh, miaou. Son poil est si doux et fluffy. Non, il n'avait pas envie de rester. Alors, j'espère que je vais réussir à faire les ombres correctement pour sentir qu'il y a du poids sur son pantalon. Parce que du coup, faut savoir que quand j'ai fait ce dessin, à l'époque, il n'y avait pas les Digimon dessus. C'est seulement quand j'ai rejoint le serveur Digimon que je me suis dit, hey, mais si je rajoutais leurs Digimon, ce serait quand même plus raccord, plutôt que de les faire juste tous les deux. Et là, je me suis rendu compte que au niveau des postures, eh ben, c'était nickel en fait. Parce qu'ils avaient vraiment la même posture au niveau des bras, des mains et tout. Mais sans les Pokémon. Enfin, sans les Digimon, je veux dire. Et du coup, je me dis, putain, mais ça s'agence super bien, en fait. On dirait qu'ils étaient vraiment censés être là, quoi. Comme quoi, la vie. Parfois, la vie est bien faite. Voilà. Mais ouais, du coup, je tiens déjà la fin du volume 4, ça c'est sûr et certain. Je vois pas d'autres fins possibles, ça c'est évident. Mais la question est, comment est-ce que j'arrive à cette fin? Enfin, je veux dire, le dernier chapitre, je sais très bien comment il va se dérouler, ça c'est pas un souci. Mais ce qui m'embête, c'est plus le chapitre 3 et 4. Genre, vraiment, je suis dans un flou artistique absolument... Iouh! Donc ouais, ça va être à définir ça aussi.
En tout cas, il y a un personnage, j'ai trop hâte de l'introduire, il est trop choupinoupinou. J'arrive à pas à rester très longtemps puisqu'il a que un rôle à remplir. Mais il est tellement mignon que j'aimerais qu'il réapparaisse plus souvent. En plus, pour le dessiner, je me suis servi de... Comment il s'appelle? Le mec qui joue Black Panther. Chad Ross quelque chose, je crois. Bon, bref. Du coup, je me suis dit, il me faut un mec black sexy. Genre, vraiment beau, quoi. Et là, je me suis dit, Black Panther, évidemment. Donc voilà. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un bon modèle, ça va bien m'inspirer. Et effectivement, son portrait était de toute beauté. J'étais genre, yeah. Re-Cookie Ruby, comment ça va? T'as fait ton dessin du coup? J'étais en train de parler de Secret de fabrication du volume 4. Avec sa flopée de nouveaux personnages. Qui vont être relous. Enfin, le mec dont je viens de parler, en vrai, non. Ça va aller parce que je lui ai fait un design assez simple mais élégant. Par contre, il y a une autre nana qui va débarquer. Elle a un design absolument qui va être un calvaire à dessiner. Bon, après, je me dis, ça va, c'est un personnage tertiaire. Elle a une importance capitale pour le bouquin, mais c'est un personnage tertiaire. Du coup, je me dis, c'est bien, elle va pas apparaître trop souvent. Mais du coup, je lui ai fait un design des enfers et ça, je m'en veux, mais abominablement, quoi. Après, je me dis, je suis obligée, je peux pas lui faire un design simple, c'est pas possible, parce qu'elle a un grade qui fait que je peux pas lui faire un truc à la One Again. C'est obligé d'être un truc bien détaillé et tout. Mais ça n'enlève rien au fait que c'est chiant. Après voilà, je me dis, c'est pas le personnage qui apparaîtra le plus pendant le chapitre, genre on la verra au moins deux ou trois fois. Mais après, ce sera surtout focalisé sur les autres, donc ça. C'est comme les décors aussi, il va falloir que je fasse des recherches, ça va être trop chiant. J'ai pas fini le line art. Bah écoute, au moins, si t'as commencé le croquis, c'est déjà pas mal. Enfin, commencé, même fini, de toute évidence, puisque t'as commencé le line art. Alors moi, personnellement, le line, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la partie qui me prend le plus de temps. Donc franchement, ça m'étonne pas des masses que t'aies pas fini, tu vois. Surtout, moi, quand j'avais dû faire ce line art-là, j'avais galéré, bah, parce que du coup, il avait fallu que je refasse entièrement une pause. Et que j'ajoute les deux Digimon, donc comme j'ai pas l'habitude d'en dessiner, ça a été un challenge. Donc du coup, ouais, le line m'a pris des plombes. N'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. Ah, je sens qu'on arrive à la fin, les gars. Je sens qu'on arrive à la fin. Je suis fatiguée. Enfin, je dis la fin, mais la fin des fringues. Après, il me reste encore la Digimon. Bon, après les Digimon, je pense que c'est pas ce qui va me prendre le plus de temps non plus, j'espère. C'est l'avantage qu'ils aient pas de vêtements. Ça, c'est chouette. Pas de vêtements, pas de cheveux. Ils ont même pas les yeux ouverts en plus. Je me suis mis la difficulté au minimum. Alors, en parlant de Digimon, sur mon vieil ordi, j'ai retrouvé mes dessins cringe de Tai et mon OCD sauveuse. Oh my goodness! Oh la vache! Et alors, tu l'as senti comment? Ça va? T'es pas trop cringe de l'intérieur, ça va, tu t'en remets?
En vrai, ça me fascine, mine de rien, les gens comme toi et d'autres personnes qui arrivent à se créer des personnages pour être avec les personnages fictifs. Parce que moi, j'ai toujours shippé que les personnages existants. Je me suis jamais shippée avec des personnages. Et du coup, ça me fascine parce que je me demande, mais comment ça se passe en fait quand vous regardez une série comme ça et que vous vous dites, oh là là, il faut absolument que je me crée un personnage pour être avec. Pour être avec le héros ou quoi. Genre, comment sont les étapes, comment ça se passe, tu vois, ça m'intrigue énormément. Parce que du coup, voilà, moi j'ai toujours fait des fan art de personnages existants. Pour moi, ça m'a toujours paru, comment dire, paru logique, entre guillemets, que bon, l'auteur ne peut pas me donner cette scène, alors il faut que je la dessine. Mais j'avoue que ouais, j'avais jamais eu cette pensée de me dire putain, il faut que je dessine un OC pour moi pour qu'il sorte avec le personnage. Ça m'intrigue de ouf. Ah bah c'est pas mal là, je trouve qu'on sent le poids, on sent le poids. C'est bien, c'est très bien. Non, non, là j'ai chié, je me suis chié totalement. Ouais, je suis pas sûre. Ouais. Ouais, là c'est bien. Là c'est bien. Par contre, là c'est moins bien. Ouais, ça, comme ça. Hop. Voilà. Donc ouais. Ok, ça c'est bon. Les gants c'est bon, les pantalons c'est bon. Il reste plus que la veste de Davis. Davis, mon baby. Je suis en train de me demander d'ailleurs si Davis n'a pas grandement influencé Max au niveau de création du personnage. Parce que c'est vraiment le même genre de mec. Il y a une écrivaine Mister Mask qui sur Tumblr que je kiffe car elle m'a dit en RP qu'elle shippait pas Mr. Mask X Flagada. Elle a fait une fanfic univers alternative Mr. Mask Détective Conan. Oh la vache, en vrai ça se tient, ça se tient. Un héros justicier avec un mec qui résout des crimes, je trouve que ça se tient. Putain. Ça aussi, tu vois, c'est un truc auquel je penserais jamais. Faire des crossovers entre deux univers totalement différents. Je pense que je suis trop une personne carrée, en fait. J'arrive pas à penser en dehors du truc. Genre, je prends ce que j'ai sous la main et je fais avec ce que j'ai. Mais j'avoue que je pense pas à faire des trucs comme ça. Je me dis, putain, mais les gens qui y pensent, mais l'imagination qu'ils ont, quoi. Franchement, bien joué, quoi. Genre, moi, j'ai vraiment, voilà, il y a un univers dédié, et c'est tout. Comme par exemple, j'en sais rien, moi, les gens qui font crossover avec l'univers d'Avatar, par exemple. Moi, je kiffe Avatar, mais ça me viendrait jamais à l'esprit de faire un crossover avec ça. Non, non, son univers, c'est les persos de Mister Mask qui prennent la place des persos de Détective Conan. Ah, d'accord, Mister Mask et Détective Conan, d'accord. Alors, ça veut dire que Mister Mask est un enfant, du coup?
s'il prend la place de détective Conan. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans un corps d'enfant. C'est un peu con. Est-ce que je garde cette couleur un peu rougeâtre ou est-ce que je pars sur autre chose? Non, je pense que je vais partir sur autre chose. Putain, mais je me suis fait mal au doigt. Voilà. Ok, ça c'est bon. Voilà, donc la veste, je pense qu'on est pas mal. Alors, il manque les manches et je crois que c'est... Ah non, il manque le haut de son pull, lui aussi. Voilà, ça c'est ok. Voilà. Faut vraiment pas que je dépasse. Hein. Vraiment, le digital, c'est chouette parce que même si tu fais une toute petite faute, c'est pas grave parce que tu peux corriger, il n'y a aucun souci. Alors que là, purée, quand je me suis remis au tradi ces derniers jours, ah, j'ai senti la différence. Oh la vache. Genre, j'étais beaucoup plus précautionneuse et tout. Beaucoup plus patiente. Le digi, tu perds en patience. Hop. Attends. Ben voilà, c'est bien. Ah, balabalabala. La colo sur mon ordi ultra lent, ça me saoule. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est pour ça que je te dis que quand je suis sur Twitch, malheureusement, je peux pas ouvrir d'autres applications parce que déjà là, je sens que c'est lent. Du coup, je me dis, putain, mais si j'ouvrais ne serait-ce qu'une application de plus, mais ça donnerait quoi en fait? Oups. J'ai débordé, c'est pas bien. Voilà. Voilà. Alors, un petit coup de bleu. Voilà. Ça c'est bon. Je vais faire ça aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'oublie du coup? Ah oui, le pull de Ken. C'est bien avec Ken parce que ce soit en jap, en français, en anglais ou quoi que ce soit, ça change jamais son nom. C'est trop bien. J'avoue que la première fois que j'ai su que Davis s'appelait Daisuke, j'étais genre quoi? Moi il s'appelle Davis. Je pense que je pourrais jamais l'appeler Daisuke en vrai. Voilà, on va juste rajouter un petit peu ici. Hop. Voilà. Un petit coup de pleurs ici. Un autre ici. Voilà. Bah, je crois que j'ai fini à peu près avec les vêtements. Ah non, j'avais oublié son t-shirt. J'avais oublié. En même temps, il était bien caché. Voilà. Et puis voilà quoi. Quoique non, je vais peut-être rajouter encore un petit chouille. Voilà. C'est mieux. Et j'efface ça. Ok. Bon, on est pas mal. On est pas mal du tout. Bien, ça c'est ok. Donc ça, je mets là. Je vais plus en avoir besoin au moment où je supprime ce calque.
Et on va pouvoir passer au Digimon. Enfin. Okutonoken. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nom d'anime? Alors, c'est bon, ça a bien enregistré, nickel. Alors, c'est parti. Hop. Alors, le problème avec les Digimon, Pokémon et compagnie, c'est que c'est toujours la question de me dire où est-ce que je blur, où est-ce que je laisse en très fin, normaux, quoi. La grande et éternelle question. Oups. Bon, je ferai les ombres mieux tout à l'heure. C'est pas grave. C'est juste histoire de poser la base. À voir si je réussis à poster mon fanart sur Discord tout à l'heure et que je me fasse pas noyer par le mec qui floude. Je pense que je peux garder ce genre de colo là, ça me semble pas mal. Bien, la gomme. On va nettoyer tout ça. Je pense qu'un simple gris bleuté, ça suffira pour son petit bidou. Et ses griffes aussi, tant qu'à faire. C'est bien en vrai, ça me fait un entraînement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je crois que j'ai rien oublié. Tout m'a l'air clean. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Donc, je disais gris bleuté, s'il vous plaît. Je pense que je vais rajouter un peu de brush un peu plus foncé sur les griffes, histoire de créer un petit relief. Hop là sur sa petite corne que j'ai un peu trop forcé. Hop. Voilà, c'est mieux. Ok, je vais peut-être utiliser un pinceau un peu plus fin. Ouh, c'est trop fin, je vois rien du tout de ce que je fais. Ouh, mon Dieu, c'est trop près. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Oh my goodness, je me rends compte qu'il y a des zones que j'ai mal nettoyées, c'est pas bon. En même temps, de loin, ça avait l'air bien. Pour ça qu'il faut jamais faire zoom. Ok, là c'est bon. Donc là, ah bah non, c'était pas une ombre. Voilà. Donc je disais le bleuté pour faire sous son bidou. Voilà. Bien, ça c'est ok. Et donc je disais pour les griffes, je vais rajouter un petit peu. Oh my gosh, c'est trop épais.
Après, je mettrai un peu de blanc histoire de. Oupsi. Oupsi, oupsi. Bon, moi, je crois que celui-là, il est fini. Mais quoique, peut-être un petit chouille là-dessus aussi. Il est où? Là. Voilà, juste histoire de. Sinon, dans mon dessin de même, Mr. Mask réalise qu'il est tombé amoureux de mon OC qui est une vilaine. Mais du coup, tu m'as pas expliqué qu'est-ce que c'est exactement ce même dessin. C'est quoi le. Qu'il y a une posture à dessiner? Enfin, c'est quoi? Il est si chou. Ah bah trop bien, je peux garder la même couleur pour les pattes, ça se voit pas. C'est C'est un peu long à expliquer. Putain, décidément, ce soir, il n'y a que des trucs longs à expliquer. Oh là là. Parce que moi, tu sais, ça me dérange pas que tu m'expliques, hein. Après, bon, je peux comprendre si t'as la flemme d'écrire. Ça, c'est autre chose. Parce que moi, pour le coup, je fais que parler, donc ça va. Je sais que parfois, quand il y a des gens, ils me parlent de certains trucs, je suis genre, mais tu veux pas qu'on s'appelle pour qu'on en discute? Parce que. La flemme d'écrire. Mince. Mince, 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 mince. Hop. Alors ça, hop. Là, mais je fais n'importe quoi, c'est affreux. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que je me dis, purée, si j'avais fait ça au tradi, comment j'aurais galéré pour délimiter les petits espaces. Ça, c'est le problème quand il y a des chassés-croisés entre les traits. Que tu te dis, oh là, seulement je pouvais déborder comme je suis en train de le faire là, Olivier. Mais tu ne peux pas, du coup, tu es obligé de faire super attention pour que ton tri passe bien comme il faut. Ok, ça c'est bon. Je vais y arriver. Je peux le faire. Je crois en mes rêves. Hop là. Bien, ça c'est bon. Ça, hop, comme ça. Je vais juste supprimer ça. Là, très bien. Oui, mais ça. Peut-être que je vais plutôt utiliser le brush pour ça.
Et attention, là, il s'agit de gommer tout en douceur. Hop, tac, tac. Voilà, c'est magnifique. Ok, alors il manque quoi? Il manque son petit bec. Je sais pas comment on peut appeler ça. Je pense que là, pour le coup, il vaut mieux flotter un peu. Et ben voilà. Ok, ça c'est bon. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres endroits où je rajoute un peu de flou? Hop, hop. Voilà. Moi. Un petit chou ici, voilà. Ok, ben je crois que j'ai fini. Je crois. Tadam tadam. Oh my gosh. Oh, je suis claquée. Ah, le seul Digimon que j'arrive à peu près à dessiner, c'est Teriemon. Putain, je vois pas du tout lequel c'est. Moi, je connais que les Digimon de Adventure 1 et 2. Et Teriemon, ça me parle pas du tout. Alors, si c'est dans Digimon Tamers ou Frontières, là, je suis perdue. Ah, que je vérifie. Mais là, non, je pense que c'est bon. Hein. Dans le premier film. Ah, bah ça explique. Je regarde pas les films. Moi, je regardais que la série. Les films, j'ai dû peut-être les voir une ou deux fois et encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais faire enregistrer. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh my goodness. Ah, voyons voir ce que ça donne du coup quand j'enlève le fond. Ah, ils sont trop mignons. Alors, du coup, je pense que je vais exporter ça sur un autre calque. Oups. Quelle heure du coup? 19h. Bon bah ça va. Je suis pile dans les temps. C'est très bien. Comment il rame mon CSP là? Oh la vache. Il rame de ouf. Alors, du coup, je vais supprimer les deux petits sur le côté. Tac, 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 tac. Voilà. Ensuite, ça, on va le mettre au milieu. Voilà. Du coup, je vais. Ah, mais qu'est-ce que. Voilà. Donc, je disais, je vais changer la taille de la toile un tout petit peu.
Voilà. Hop, 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 hop. Ça me semble pas mal. Comme ça. Et du coup, qu'est-ce que ça donne avec des bords blancs? Je pense que je peux pousser encore un petit peu le bord. Il faut quand même que ça passe sur la silhouette. Bon, alors du coup. Là, je rajoute ça. Là, je rajoute ça. Et je pense que là, je peux rajouter ça aussi. Hop. Ça me semble pas mal. Je vais juste gommer ça. Voilà. Puis voilà quoi. Ouais. Tout va bien. Bon, bah moi je trouve ça pas mal comme ça, ma foi. Et on enregistre. Oui, j'enregistre. Bah, qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais fait le dessin depuis le début? Ouh, on en aurait été encore pour au moins 4 heures. Bon, bah sur ce, merci d'être venu pendant ce nouveau live. Ça faisait un petit moment du coup. Mais ce fut fort sympathique. Bon, bah, à la prochaine. Je sais pas si ce sera la semaine pro ou pas, du coup, on verra. Parce que j'ai tellement de trucs à faire en ce moment. Mais c'est quand même cool, donc je vais quand même essayer d'en refaire un peu. Sur ce, bonne soirée. Et bon appétit si jamais tu vas manger. Moi, je vais commencer à me préparer à manger là. Bisous!